Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. L'article 28. Du décret du 22 août 1995, cet article donne provision au doyen de désigner un juge de son tribunal pour remplacer ou pour suppléer à l'absence du commissaire qui a brillé par son absence ou bien qui se trouve dans le marronnage. Et de plus, il y a l'article 87 du Code de procédure civile qui renchérit et de ce fait, nous demandons au doyen de faire application de ces deux articles précités et ce sera droit. Je suis d'avis à ce propos. Attendu que régulièrement assigné. Bonsoir, JPBC. Régulièrement assigné à comparaître à l'audience. D'avis à ce propos. Du jour, à l'audience d'habeas corpus du jour, le commissaire du gouvernement de ce ressort a brillé par son absence. Attendu qu'ayant eu la parole sur la non-comparution de l'assigné, ayant eu la parole sur la non-comparution de l'assigné, la partie de m'adresse a demandé au juge d'habeas corpus, par application des articles 28 du décret du 22 août 1995, 28 du décret du 22 août 1995, 87 du code de procédure civile, de désigner un juge de son tribunal pour faire office de représentant du ministère public. Office de attendu que la demande produite par la partie de m'adresse n'est pas contraire à la loi et qu'il y a lieu pour le juge d'habeas corpus d'y faire droit. Par ce motif, le doyen faisant office de juge d'habeas corpus désigne la juge Caudely Joseph pour faire office de représentant du ministère public. Mais du même coup, l'affaire en continuation, à l'audience du mercredi 11, on met le debout. À l'audience du mercredi 11 août 2021, dès 10h du matin, afin qu'elle puisse être plaidée contradictoirement. Après ça, va dire rien encore. Depuis le matin, pas trop chevaux, il y a un membre cabinet ministère à la condition féminine qui t'a accompagné au nom des marcheurs. Monsieur, il va t'accompagner au nom des marcheurs. Il est occupé dans la radiographie. Est-ce qu'on n'est pas courant que tu es là? Après, on va voir.
depuis après nous même cap balle sur dans l'hôpital là les chefs. Il va venir à mon. Non Marie était là Marie parle Marie elle travaille. On va supporter lui. On va supporter lui. Et tranche au gain. Oui. OK. Première fois faire petite. Non. On habite venir l'hôpital général déjà. Oui. Elle l'a suivi. Elle l'a suivi. Oui. Est-ce que tu vas le pousser? Oui. Je te garde ma 7 cm. Un jeune docteur, oui. Un faible matin, un mec est tombé. Tout 24 dans l'hôpital, non. Je ne vais pas voir rien, docteur. Docteur, matin, après-midi. Docteur, je vais tout faire, je vais sauver malade, non. Mais je ne vais pas avoir matériel, je vais ouvrir, je vais ouvrir. Et bien, je vais docteur pour le service. Il faut docteur, il faut encadrer docteur tout. Parce que docteur là pour malade, là pour le service matin, midi, soir. Il faut encadrer ni docteur ni monsieur. Je ne vais pas voir rien. Qui ça la guerre, docteur même fait même. Docteur même pas grand rien non mais faut ministre, faut directeur voyez bah dans tout l'hôpital pour docteur bah maladie au souhait. Pas grand rien mais docteur, qui ça docteur bah souhait même. Docteur même c'est garder maladie au nez. Docteur là bah je me grand rien non mais ministre pas je me vois rien. Imaginez très bien et on sale et maternité c'est là pour toute et femme enceinte. Docteur bah pas garder ce qui est venu. Pas même courant non d'elle quoi. Pas même guerre courant même. A qui ça docteur va service même. Et ministre dit pour voir dans l'hôpital. Nous avons un gros hôpital comme ça, l'hôpital général, un gros hôpital comme ça. Nous pas encadrer, nous pas voir rien. Et puis docteur même, docteur pour nous encadrer. On va pas docteur au service comment docteur même va gérer maladie même. Faut nous encadrer docteur. Objectif petit matin, c'était pendant un matin, moi j'ai sur Gato Caraïbes, une dame qui était, je m'en t'ai plaît. L'hôpital là. Pas de cajon de service. Moi-même, étant que ministre à la condition féminine, je vais juger nécessaire pour me constater de quoi il en est. Et heureusement, l'homme qui est sur place, moi, dame, là, je parle ensemble avec lui, je suis accompagné de Dr. Polimo, qui est directrice exécutive de l'hôpital là. Je vais parler et je vais profiter pour visiter la salle maternité. Regardez ensemble des problèmes pour constater pour prendre acte ensemble de problèmes que les femmes de même gagnent dans l'hôpital général. Et tant que ministre à la condition féminine, nous prenons le ministère de la condition féminine pour ne pas gagner une mission pour lui. Intervenir directement. Donc nous allons parler ensemble avec les partenaires après une prendre acte de tout ça qui arrive. Nous allons parler ensemble avec les partenaires pour moi qui me suis capable d'accompagner le ministère. Là, aider les femmes dans la position difficile qui a traversé dans l'hôpital général. Si moi, le peu que le ministère a gagné, nous avons quitté le monde pour accompagner dans la démarche que la porte au parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de famille qui va côté. Le ministère n'a pas quitté dans la constat pour contre lui. Donc, il y a plus de bagages, il y a plus d'examens. Les médicaments pour l'acheter, donc nous avons quitté le monde pour accompagner les entreprises de démarche. Et le fait qu'il soit, nous sommes capables d'aider les faits et ça gagne pour faire en urgence. Pendant que le docteur Polimo lui-même l'a assuré suivi de madame. Effectivement, il était très sensibilisé à problème madame la dépressante. Après que le film prend balle, mais il dit bien, prends compte tout que malade là, t'es ouais. Ok, docteur, t'es ouais, mais t'es mal fait radiographie. Et le fait que c'est un monde qui est pour compter, il va te faire accompagnement, donc il y a des examens, il va te faire pour ça. Donc, avec l'hôpital là, nous sommes censés commencer à faire la radiographie, mais c'est un malade qui est intéressé par deux services. Il y a un bon mâchoire qui frappe, puis il y a un poli, donc il y a pour le prendre en charge et en orthopédie et en ORL. Donc prise en charge en orthopédie, on s'est déjà fait, pour y en ORL, l'aller pour fracture mâchoire. Donc on a rassuré moi-même comme directrice que je suis en fait, je vous remercie encore, visite, pour le champion. Comment l'hôpital général, c'est plus grand centre. Si Carrefour bloqué, c'est l'hôpital général. Si Chancel bloqué, c'est l'hôpital général. Donc nous dépassons et puis semaine ça, nous avons problème de courant électrique au courant. C'est génératrice, c'est une bagarre même ça. C'est le problème encore. Mais le problème nous dépassons par les événements. Pays à vivre dans ces circonstances exceptionnelles. Une crise politique importante, une crise économique et sociale très importante. Nous avons un gouvernement qui a comme mission pour nous retourner sur le rail démocratie. Mais nous avons un pays aussi que nous avons en pile ressources.
nous avons des gens qui étaient gouvernés déjà, des gens qui étaient fait des expériences au plus haut niveau de l'État. Et comme mission gouvernement, ça c'est rassembler les gens, rassembler les enfants de ce pays, nous ne voulons pas perdre l'occasion pour nous profiter de l'expérience de l'autre premier ministre pour aider nous à traverser la passe difficile. Nous instituons aujourd'hui, ça nous est un forum des anciens premiers ministres qui doit accompagner nous-mêmes dans le gouvernement ça, dans la phase jusqu'à ce que nous arrivions à un gouvernement d'élu. Nous voulons remercier le Premier ministre pour la disponibilité. Nous avons juste relé, nous avons déplacé et nous avons en pile conseil et nous disposé de travail. Travail, c'est mon travail rémunéré, mais c'est travail de citoyen, vous voulez faire, de citoyen responsable. Nous sommes échantillons dont dizaines de premiers ministres qui sont réunis. Nous connaissons la technologie à faire que les gens sont réunis en présentiel et les gens ont la technologie, même si au loin, nous sommes ensemble et nous sommes concertés sur ce qui a passé dans le pays. Nous sommes haïtiens dans le pays. Nous sommes des militants politiques. Nous partageons la souffrance du peuple haïtien. Tout problème que peuple a vivre, il y a bouillé dans le ventre. Que ce soit le matissant, nous analysons la question. Côté moitié pays a bloqué, ça n'a pas quitté personne indifférent, en particulier le premier ministre en fonction, Dr. Ariel Henry. Nous très préoccupés tout par l'ambiance division qui est dans le pays. Le premier ministre Ariel Henry intéressé pour un accord politique. Et tout ça est capable de faire pour le parler, pour le faire concertation. J'en laisse faire le jeudi, là pour continuer à faire. Et moi-même particulièrement, moi j'ai l'habitude de travailler avec lui dans long cheminement de lutte politique là, nous connaît volonté, nous connaît motivation, nous connaît capacité, nous connaît compétence li, et nous compter sur lui dans ce sens ça. Et tout l'autre monde qui était là. Que ce soit sur le premier ministre chez Stal par rapport à l'expérience, le premier ministre Jacques-Edouard Alexis, le premier ministre Laurent Lamotte, Joseph Jouté, Belle Rive, Jacques-Pierre Lafontaine, Enek Jean-Charles, tout le monde. Comprendre jeudi à gon poté collé pour nous faire entre haïtiens des questions pour nous répondre la question de justice en particulier pour président Jovenel Moïse mais pour tout le monde tout qui tombe dans mauvaises conditions mais faut qu'on l'état pour ça nous reconnaître tout bon l'état à la dérive pour qui ça l'état à la dérive parce que faiblesse parti politique me fait partie tout pays l'état solide. Il y a un parti politique qui a fonctionné pour prendre en charge. Il y a des problèmes structurels. Nous réfléchissons. Alors, moi, je voulais, d'occasion, ça, pour nous dire, pour le ministre, Dr. Ariel Henry, un gros merci. Il ouvre le chemin de dialogue. Ça, pas nous-mêmes seulement, comment c'est pour le ministre, mais à tout le monde dans le pays. Je pense que c'est là que la presse, là, tout. Qui ont une parole pour nous dire, qui ont un rôle pour nous jouer, pour nous être vraiment. Si nous retirons Haïti dans le bas-fond, lié aujourd'hui. Alors nous sommes là, comme il vient de le dire, avec notre bonne volonté de citoyens motivés. Que le carrefour est difficile. Et il y a quelqu'un dans le pays qui te fait cheminement, qui te fait expérience, qui a accumulé un paquet de bagailles qui est capable de chiter avec là, discuter avec elle et permettre d'aller plus vite et plus bien. Nous avons toute garantie que nous mettons tout ça en main sous table pour nous aider parce que nous sommes tous conscients que le carrefour est difficile. Le Premier ministre Evans Paul a élaboré tout le problème là déjà, ce n'est pas la peine que je recommence. Je vais simplement attirer l'attention sur le niveau responsable de M. Ariel Henry en nous faisant venir ici pour constituer ultérieurement une équipe comme on avait déjà fait sur M. Préval, le forum de Fort Jacques. Il était question que nous mettions nous ensemble pour apporter nos conseils au président Préval. Ça n'a pas donné les résultats espérés. Mais si cette fois-ci ça peut aller mieux, pourquoi pas? On est disposé, on est disponible, on attend son signal. Il y a un monde qui est victime par train assassinat dans le pays d'Haïti que nous ne sommes pas capables d'oublier. Eh bien, c'est le cas de cette jeune policière, moins d'une vingtaine d'années,
qui était à peine rentré dans la police. Et dans une cérémonie publique, il a demandé pour te serrer la main à des présumés bandits. Publiquement, il a refusé. Moins de 48 heures de temps, il était jeune corps. Jeune policier, ça, son pile fatra. On a parlé de Christine Jeune. Nous avons peut-être nous tous le cas d'une jeune avocate, d'une brillante avocate, qui était tombée le 28 mars 1995. On a parlé de Maître Mireille Durocher-Bertin. Et beaucoup plus récente, nous pas capable d'oublier, par exemple, deux infirmières. Malheureusement, je n'ai pas mon carnet sous les yeux, mais en pile confrère capable de voir de qui m'a parlé. Eh bien, d'abord, une jeune infirmière qui était sur fond transaction sous route frère, non banque, eh bien, il était assassiné. Et beaucoup plus récent, dans la fin de mois de juillet, nous avons le cas de cette jeune infirmière qui était décidée offrir tête lit pour porter soin à des gens qui malades. Ils ont tiré en dans l'ambulance. Lorsque ce n'est pas femme qui a assassiné directement, eh bien, femme le plus souvent sont victimes de manière indirecte. Journée aujourd'hui, nous avons plus d'une cinquantaine de cas d'assassinat spectaculaires qui sont enregistrés dans le pays. Plus d'une cinquantaine de cas d'assassinat spectaculaires. Nous ne pas dire que c'est 50 personnes seulement qui assassinent, non. Mais cas qui fait plus bruit. T'as coup Jean-Léopold Dominique, Briol Lindor, Jacques Roche, d'autres journalistes, François Latour. Eh bien, parfois, Mounsao qui a assassiné, il a quitté madame, il a quitté petite, il a vini veuve, et Timoun a vini orphelin. Et parfois, Timoun a connu orphelin de père et de mère en même temps. Parce que nous rappelons, dans la liste que l'OPC fait sortir tout récemment, eh bien, tu es un jeune, un couple qui t'a assassiné tout récemment, l'année dernière, sur le canapé vert. Nous avons le cas de cette écrivaine, poétesse, Farah, ainsi que son mari, ingénieur, qui t'a assassiné du côté de Pétionville. Petite Mounsa Okounia, yo, orphelin. Et la justice, par exemple, dit un mot sur la question ça. Donc, atelier ça, c'est une occasion pour nous réunir différents acteurs dans la société. Nous avons des représentants de BAL, Bureau d'assistance légale. Nous avons des représentants du parquet de Port-au-Prince-Quillard. Nous avons des représentants du parquet de la Croix des Bouquets. Nous avons des honorables magistrats. Nous avons des représentants de la société civile qui peuvent brasser l'idée avec nous, avec l'appui de ONU Femmes, pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de faire des réflexions, faire des débats, venir avec des propositions pour nous faire avancer la question de justice en Haïti. Question justice, accès à la justice pour les femmes, pour les enfants, accès à la justice au niveau de tribunal, plaidoyer pour que dossier qui est dans le tiroir, que très souvent, autorité judiciaire qu'on a tendance pour torturer, serrer, craser, blier en dans le tiroir, pour que vous soyez capable de faire avancer à dossier ça de façon très générale, parce que très souvent, lorsque vous avez des cas d'assassinat spectaculaires, qui est enregistré dans le pays, à côté de toute sa cité, à côté du cas d'assassinat du président de la République, eh bien, le plus souvent, mesdames, vous êtes victimes. Si c'est le plus souvent, ce n'est pas vous-même qui êtes assassiné directement, ou bien dans bien des cas, vous venez veuve et petite, vous venez orphelin. Voilà la mise en contexte de cette activité que nous avons faite pendant toute journée, avec environ plus d'une soixantaine de participants. Qui portait accent sur accès à la justice pour les femmes, les enfants, avec l'encadrement technique, l'encadrement méthodologique de consultants qui a été recruté par ONU Femmes pour l'OPC. On a parlé du docteur Patrick Pellissier qui est disponible. Certainement, si nous avons des questions que nous avons lui-même posées. Il y a plusieurs étapes. Premier bagage, constat que tout le monde qui l'a, même en tant que journaliste professionnel, pour que ouais, et c'est pas moi-même qui a dit. Yo dit très souvent tout bas, mais depuis un certain temps, il a dit tout haut.
nous avons un système judiciaire qui n'a pas fait de job. Nous avons un système judiciaire qui n'a pas rendu justice. Nous avons un système judiciaire qui méritait redorer blason. Parce que très souvent, le système judiciaire, ça, il est trop impliqué dans trop de scandales. Nous avons un système judiciaire côté le plus souvent des magistrats honnêtes, sérieux, compétents, persécutés, et des magistrats soupçonnés de corruption, malhonnêtes, protégés par le même système judiciaire. Ça. Nous avons un système judiciaire qui prend des dossiers, ils oublient dans le tiroir. Quand il y a là, en pile monde, peut-être, ou même en tant que journaliste, on doit comme ça. Dossier Jean-Léopold Dominique rivé dans le cours de cassation depuis un paquet de temps. Ça a plus de 21 ans. Zéro condamnation. Il y a des dossiers d'assassinat qui tout mourit en dans le coup d'appel. Il y a des cas d'assassinat même qui mourit dans le tribunal de première instance. Parce que plus fort cas d'assassinat qui est enregistré dans le pays, c'est dans l'ère métropolitaine que le fait. Et de pour dire l'ère métropolitaine, ou dit Delma, ou dit Port-au-Prince, ou dit Pétionville, ou dit Grand Ravine, ou dit La Saline, ou dit Bel Air, côté jeune corps Jacques Roche, eh bien, premier côté pour indexer, c'est tribunal de première instance. Donc nous-mêmes au niveau de l'OPC, c'est continuer à faire plaidoyer, mais continuer également à travailler avec d'autres secteurs de la vie nationale, des associations de magistrats très solides, des magistrats honnêtes, des organismes de la société civile qui croient dans la justice, des avocats, des cabinets d'avocats, des organisations internationales qui sont partenaires au PC, notamment ONUFAM, Avocats sans frontières et d'autres partenaires que nous gagnons à l'étranger, et aussi sans oublier la communauté internationale qui n'est pas capable d'être indifférent. Et c'est peut-être ça que nous avons dans celle-là. Nous avons un représentant au commissariat aux droits de l'homme là. Nous avons un représentant BINU qui là. Nous avons un représentant d'autres agences internationales. Parce que question justice en Haïti, nous pensons que, étant donné que les Nations Unies présent, nous sommes capables de dire directement dans le pays, même si que nous pas sous tutelle, nous pas une force armée onusienne, mais personne n'est pas capable de négliger la présence des Nations Unies dans le pays. Et c'est peut-être ça que nous demandons dans des dossiers de cas d'assassinat. Tant que cas d'assassinat président Jovenel Moïse, nous demandons pour que l'Organisation des Nations Unies dise un mot sur la question ça. Même si ça a été fait dans pile l'autre pays, ça a fait dans pays, en pile l'autre pays à l'étranger, nous souhaitons que les Nations Unies dise un mot sur la question ça, porter tout support, tout encadrement que le capable bail à autorité judiciaire, yo, autorité politique, yo, et bien pour que le dossier ça pas arrêté dans les tiroirs, à l'instar de dossier Jean-Léopold Dominique, à l'instar de dossier de Mireille Diot-Chebertin, à l'instar de dossier Briol Lindor, à l'instar de dossier sénateur Yvon Toussaint, à l'instar de dossier Guito Toussaint, président du conseil d'administration de la BNC, et à l'instar d'autres cas d'assassinat qui est enregistré dans le pays pendant les 20, les 25, les 30 dernières années. Nous invitons dans l'atelier de travail ça parce que nous considérons que question grand goût en sont question fondamentale. Nous connaissons que pendant les dernières années, quand c'est le monde qui grand goût dans le pays, on multiplie par 2, soit 2 millions pour l'atteindre 4,1 millions, c'est inacceptable. Et en plus, question grand goût, on lui posait tout un ensemble de problèmes par rapport à qui j'en pays à gérer, qui j'en économie pays à gérer, qui ça qui priorité investissement, yo, qui wall économie paysanne dans le pays, quand nous connaissons que nous avons l'État qui toujours a déployé des politiques anti-paysannes et qui très souvent aligné sur des politiques néolibérales, qui plutôt a choisi une agriculture industrielle, monoculture de grande surface pour l'exportation, au lieu qu'appuyer potentiel énorme que nous avons dans le pays d'Haïti avec l'économie paysanne. Donc c'est souci ça qui fait que nous convoquons atelier ça, et nous avons conjecture au niveau international, côté que le système des Nations Unies a organisé probablement en octobre un gros forum mondial sur le système alimentaire. Et forum mondial ça, et nous-mêmes et en Haïti et au niveau des mouvements paysans tant que Via Campesina, nous avons pile problème avec gens que forum ça a organisé, parce que c'est un forum qui est placé en bas agenda grande entreprise transnationale. Et par exemple, coordonnateur forum, c'est lui-même tout qui est directeur agra,
qui c'est une initiative Bill Gates de prendre pour l'Afrique dans 13 pays. Donc, dans ce sens, nous très préoccupés par le choix qui fait. Et nous-mêmes, comme organisation paysanne et tout allié, organisation paysanne, tout allié production nationale, tout le monde qui croit dans la souveraineté alimentaire pays, tout le monde qui croit que Haïti doit et capable de résoudre le problème grand gouan, nous pensons que c'est très important que nous suivions le forum ça et que nous-mêmes nous organisions un contre-forum qui pourra le faire le 15, 16, 17 octobre. Donc, atelier ça, c'est un pas dans le cadre de préparation contre-forum que nous pourrons organiser 15, 16, 17 octobre. Qui nous connaît que 15 octobre c'est jour mondial alimentation et 16 octobre, 15 octobre c'est jour femme agricultrice, 16 octobre c'est jour mondial alimentation et 17 octobre c'est Dessalines. Donc c'est une période extrêmement intéressante pour nous réfléchir sur le pays, hein, réfléchir sur la politique agraire, hein, réfléchir sur la politique qui est capable de permettre de sortir de la question de grand gouan et jouer partition par nous au niveau mondial pour nous capables d'affirmer les choix que paysan haïtien fait. Et choix que tout peuple haïtien fait pour nous porter revendication ça au pied devant. Et donc c'est ça, et dans ce sens ça, nous t'ai invité dans l'atelier représentants CNSA, qui sont organismes gouvernementaux, qui est le Conseil national de sécurité alimentaire, qui sont organismes que nous-mêmes, PAPDA, nous t'ai fait plaidoyer pour l'exister, parce que le PAPDA existe. C'est à partir de résolution forum sommet mondial alimentation 96 que PAPDA t'a dit qu'il faut que l'État haïtien gagne un organisme qui travaille spécifiquement sur la question alimentaire. Donc, CNSA a l'occasion de présenter qui démarche que eux-mêmes ont fait et qui ça va le présenter pour Haïti dans le forum mondial qui va le faire sur le système alimentaire. La question de l'eau, c'est une question centrale. Mais même gens avec question alimentation, côté que nous avons tout un processus pour nous, ils ont fait tourner manger, tourner marchandises, ils ont fait de l'eau tourner marchandises, tout. De l'eau tourner business, alors que de l'eau, tu as un bien commun. Imaginez, la pluie tombée, nappe phréatique faite, et puis il y a un monde qui campait qui dit ça, c'est pour moi, c'est mon propriétaire, il m'a fait comme celui. C'est tout à fait indécent. Donc bien, c'est ça, c'est un bien commun de l'humanité et qui doit gérer comme bien commun de l'humanité. D'autant plus que j'ose dire, la question de l'eau dans le pays d'Haïti, qui a une menace. Non seulement gagner toute une mauvaise gestion des déchets, mauvaise gestion des systèmes d'adduction d'eau potable. Trampinant côté d'un pays, pas gain système d'adduction, il n'y a pas gain accès à de l'eau potable. Nous, un ravage que choléra se fait dans le pays. Hein. Donc question de l'eau stratégique. Et gagner un ensemble d'initiatives qu'a prend par exemple au niveau de la République dominicaine. Pour installer des industries minières à grande échelle sous bassin versant qui alimentait la Tibonite. Donc on menace direct à la question de disponibilité de l'eau dans le pays. Hein. Et effectivement, même j'ai avec manger, il faut nous parler pour nous défendre le droit du peuple haïtien pour accès à de l'eau et pour accès à une nourriture saine et équilibrée. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, qu'attendez des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.